Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons deux personnalités qui vont nous parler de Enquête d'Afrique. Donc, la conversation entre un anthropologue, Jean-Loup Amsel, et un philosophe, Souleymane Bachir Ndiaye, sur la question de la pensée décoloniale, le postcolonial et d'autres questions sur l'actualité. Donc nous avons choisi ce livre-là parce qu'on pouvait l'inscrire dans tout ce qui nous concerne actuellement, notamment des débats actuels. Donc je vais les laisser chacun à sa façon nous faire découvrir un peu sa compréhension après la lecture de ce livre. Ce ne serait pas la posture où chacun prendrait la position d'un ou de l'autre intervenant dans ce livre, non. Chacun nous dira ce qu'il a compris et ce qu'il veut nous faire entendre, ce qu'il veut partager. Donc ce sera d'abord à professeur Mahamadé Sawadogo de prendre la parole en premier. Donc il nous fera une présentation de ce livre avant de nous dire les grands points sur lesquels il voudrait bien qu'on discute avec l'assistance. Et en second lieu, nous allons écouter Dr Ouédraogo Rassabliga. Lui aussi va intervenir sur un certain nombre de points. Donc, par exemple, le professeur Sawadogo pourrait regarder les questions d'enjeux, de limites ou de perception du contenu, pendant que Rassabliga Ouédraogo regardera l'historiographie, par exemple, de la pensée, un peu comme nous l'avons discuté avant. Donc, je ne vais pas être plus longue, vu que nous avons pris un peu de retard. Je vais déjà donner la parole à Pauline Sabato. Merci. Il m'a été demandé de présenter l'ouvrage que voici, coécrit par Souleymane Bachir Ndiaye et Jean-Loup Amsel. L'ouvrage s'intitule Enquête d'Afrique, sous-titré Universalisme et pensée décoloniale. Nous avons deux auteurs. Et on peut se demander si, à partir de cette dualité, on peut déduire une opposition d'approche autour d'un objet qui serait celui qui est visé dans le titre de l'ouvrage, à savoir l'Afrique. Les deux auteurs, Souleymane Bachir Ndiaye est un philosophe d'origine sénégalaise, né en 1955 et installé actuellement aux États-Unis où il enseigne à l'Université de Columbia. Il a déjà publié une dizaine de livres, parmi lesquels on peut citer « L'encre des savants », « Réflexion sur la philosophie en Afrique » en 2013, « Comment philosophie en Islam » en 2008, et Léopold Sédar Senghor, « L'art africain comme philosophie » en 2007. Face à lui, nous avons Jean-Loup Amsel, anthropologue français, né en 1942, familier de l'Afrique depuis 1967, directeur de recherche émérite à l'École des hautes études. Lui aussi, il a publié une dizaine de livres, parmi lesquels « Logique métisse, anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs » 1990, « L'Occident décroché, enquête sur le postcolonialisme » 2008, « Branchement, anthropologie de l'identité des cultures » 2001. On peut se demander, ces deux-là, est-ce qu'ils parlent de la même affaire? Que peuvent-ils avoir en commun? Alors, pour répondre à cette question, je vais examiner le contenu de l'ouvrage. D'abord,
on peut constater que l'ouvrage se décompose en 18 chapitres. Là aussi, ce sont de drôles de chapitres, hein, parce qu'on peut se demander si ces chapitres renvoient à des thématiques communes ou désignent simplement des titres de contribution à un ouvrage improvisé. C'est un ouvrage de 308 pages. Entre l'ouverture et la clôture, il y a différents thèmes qui sont abordés. La question des langues, la question de l'islam en Afrique, notamment le soufisme, hein, la charte du Mandé. Et on a l'impression que, au départ, on a des positions divergentes qui s'affirment, mais au fur et à mesure que l'ouvrage se déploie, les deux interlocuteurs tendent vers un accord. D'une manière générale, l'ouvrage est assez facile à lire parce qu'il est parsemé d'anecdotes, de récits concernant la vie, le travail des deux auteurs. Alors, en ce qui concerne la trame même de l'ouvrage, on peut dire que il est bâti autour d'une opposition, la construction d'une opposition. Il y a quand même un schéma auquel l'ouvrage obéit, même si les deux auteurs ne se sont pas concertés pour répartir les parties, parce que c'est une discussion d'avoir parlé et ensuite une confrontation directe qui a donné naissance à cet ouvrage. Donc, on peut dire que l'ouvrage parle de la construction d'une sorte d'opposition entre des positions. Et Jean-Loup Amsel n'hésite pas à dire que lui, il n'est pas philosophe, il se démarque de la démarche de Souleymane Bachir Ndiaye qui part de grands principes, alors que lui, il parle de faits concrets. Et Souleymane Bachir Ndiaye aussi, notamment sur la question de la charte du Mandé, n'hésite pas à affirmer clairement qu'il est contre la position de Jean-Loup Amsel. Jean-Loup Amsel, c'est lui qui apparaît le plus agressif, le plus provocateur. Il tente de confiner Souleymane Bachir Ndiaye dans une position, celle d'un afrocentriste, d'un hyper-réaliste, d'un hyper-relativiste. Voilà. Et il oppose à cet afrocentrisme, à cet hyper-relativisme, son propre universalisme. Mais la réaction de Souleymane Bachir Ndiaye va l'amener à préciser les choses et il s'avère qu'en réalité, on n'a pas un afrocentriste et un universaliste qui s'opposent, mais au contraire, un partisan d'un universalisme latéral ou de traduction à un partisan d'un universalisme matriciel. Voilà. Ce sont des expressions que les auteurs eux-mêmes emploient pour désigner leur position. Souleymane Bachir Ndiaye parle d'universalisme latéral ou d'universalisme de la traduction, et tandis que Jean-Loup Amsel parle d'un universalisme matriciel. Ce qui les caractérise tous les deux, c'est le refus de ce qu'ils appellent un universalisme de surplomb, un universalisme dominateur qui consisterait à croire qu'il existe une vision du monde ou des principes issus d'une société qui peuvent s'imposer à toutes les sociétés. Cet universalisme de surplomb-là, ils le rejettent tous les deux. Et par contre, ils considèrent que les sociétés, les cultures peuvent dialoguer, les langues peuvent être traduites les unes dans les autres. Et Jean-Loup Amsel considère qu'on peut trouver des schémas communs à différentes sociétés. Alors, à partir de la construction de l'opposition, le mouvement de l'ouvrage va aller vers un accord. Et nous allons maintenant essayer de voir quels sont les termes à travers lesquels cet accord se conquiert. D'abord, on peut dire que
les deux auteurs refusent ce qu'on appelle une pensée racialisée, c'est-à-dire une pensée, par exemple, qu'on dirait noire ou bien une pensée blanche. Les deux auteurs refusent cette posture-là. Les deux auteurs acceptent la possibilité de la traduction, le passage d'une langue à l'autre, et les deux auteurs se veulent partisans de l'universel, même si d'un côté, on parle d'un universalisme latéral ou de traduction, et de l'autre, d'un universalisme matriciel. Cependant, évidemment, il demeure des désaccords entre eux. D'abord, du point de vue de la démarche, Jean-Louis Amsel insiste pour montrer qu'il faut analyser les phénomènes culturels dans leur inscription dans les rapports de force entre les groupes sociaux, entre les classes sociales. Quant à Bachir, il insiste sur cette idée que l'universel reste un idéal à réaliser, à atteindre, et on peut voir des indices de la possibilité de la conquête de cet idéal-là à travers certains phénomènes comme justement la traduction. Alors, au terme du livre, ce qui est intéressant à relever, c'est que de l'opposition de départ qui semblait frontale, on arrive à une sorte d'accord, et Bachir va aller jusqu'à dire à Jean-Louis Amsel que ils auront du mal à ne pas être d'accord. Voilà. Lui qui croyait au départ qu'ils étaient tous les deux opposés, eh bien, ils auront du mal à ne pas être d'accord. Et ils vont tous aboutir à cette idée qu'il faut que, contre les différentes formes d'oppression, il y ait une solidarité des opprimés. Alors, arrivé là, je voudrais simplement indiquer ce que j'ai noté comme des lacunes, des absences remarquables dans l'ouvrage. Du côté de Jean-Louis Amsel, il y a un passage où il parle de la charte du Mandé et il montre que les citoyens africains, notamment à travers les récentes révolutions démocratiques, qui se sont déroulées au Maghreb, n'ont pas eu besoin de se référer à la charte du Mandé pour se révolter et pour revendiquer la démocratie. Mais il n'est dit mot sur l'insurrection au Burkina Faso en 2014. Du côté de Souleymane Bachir Ndiaye, il parle du travail important que les savants africains, notamment les historiens, ont déployé pour réhabiliter les sources orales dans l'écriture de l'histoire africaine, mais rien sur Kizerbo. Voilà. Ce que je peux ajouter aussi comme élément d'information, c'est qu'on trouve dans l'ouvrage trois évocations du Burkina Faso, trois occurrences, essentiellement de la part de Jean-Louis Amsel. À la page 128, quand il évoque les langues africaines, il parle du Moré, voilà, pour critiquer le projet de vouloir tout traduire dans les langues africaines. Et il se pose la question de l'importance de toute cette activité de réhabilitation des langues. Et parmi les langues africaines, il cite le Moré. Ensuite, quand il parle de l'islam africain, pour montrer que le soufisme, contrairement à ce que Souleymane Bachir Ndiaye tente de lui faire croire, a aussi suscité des djihads. D'ailleurs, Bachir ne refuse pas complètement la thèse, hein, mais il met l'accent sur la dimension de la tolérance dans le soufisme. Hein, aimer l'infidèle, accepter l'infidèle. Donc, Jean-Louis Amsel rappelle le djihad que Askia Mohamed a conduit, notamment contre l'Empire Monsi. Ça, c'est à la page 187. Et enfin, à la page 220, Jean-Louis Amsel parlant des migrations africaines et de l'opposition qu'on cherche parfois à construire entre
ceux qui sont restés au pays et ceux qui sont partis. Il parle de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, qui est souvent désignée par l'expression diaspo. Voilà. Ce sont les trois occurrences, les trois évocations du Burkina Faso que j'ai trouvées dans l'ouvrage, essentiellement de la part de Jean-Loup Amsel. Merci pour votre attention. Le livre est absolument passionnant, donc ça nous porte. Et la perspective de la belle conversation avec mon aîné, Amadé Sabadogo, est stimulante également. Je dois dire que c'est un objet spécial que ce livre. Souleymane Bachir Diagne parle d'une conversation livre. Une conversation livre qui a une histoire à partir d'une émission qu'ils ont faite ensemble et puis qui a dérivé en discussions par mail et puis dans ce projet de livre. Moi, je crois que la lecture de ce livre est irremplaçable. Et pour donner à lire et en restant tout à fait honnête avec ce que je ressens, je pense que si vous aimez la philosophie, vous allez adorer ce livre. Si vous aimez la logique, la rhétorique, vous allez adorer ce livre parce que Bachir Diagne, qui est lui-même un logicien, avec son collègue, ils font preuve de belles pages de logique et de discussions rhétoriques, pas seulement pour la rhétorique. Si vous aimez l'histoire des idées, vous allez adorer. Si vous aimez l'épistémologie et l'interdisciplinarité, c'est le livre qu'il vous faut, me semble-t-il. Mais j'ai envie de dire quelque chose d'assez surprenant. Si vous aimez le sport de combat, il faut lire ce livre. C'est un sport de combat. En réalité, je crois que c'est une lutte. Et pas n'importe quelle lutte. Moi, mon sport préféré, c'est la lutte africaine. C'est une lutte africaine, mais je crois que c'est une lutte africaine très spéciale. C'est une lutte africaine qu'on appelle au Sénégal la lutte avec frappe. C'est la lutte africaine où on peut boxer. Moi, je la déteste, elle, parce qu'elle enlève la rondeur à l'esquive, les techniques, me semble-t-il, sont moins présentes et ça devient très physique. Donc, on a les deux ici. On a une lutte avec frappe. Je vais essayer de montrer cela. Mon propos, ça va être deux choses. Ça va être de partir de quelques thématiques clés pour essayer de dire ce que j'ai compris de ce qui a été dit et peut-être de donner quelques avis sur certaines thématiques, premièrement. Et deuxièmement, je vais finir par des observations personnelles. Mais avant, je veux tenter une introduction à partir d'éléments de définition, des deux thématiques majeures de l'ouvrage, qui est sous-titré « Universalisme et pensée décoloniale ». Dans le livre, il y a une très belle préface qui est faite, qui montre une belle genèse, comme un arbitre qui campe le terrain de la lutte avant de se retirer, et il ne vient pas siffler la fin du match. Il a dit très clairement que le match ne sera jamais fini de par son sifflet à lui, dans cette préface. Et dans cette préface, il fait une sorte d'introduction à la théorie postcoloniale et à la pensée décoloniale. Qu'est-ce que c'est que la théorie postcoloniale? C'est cette pensée qui, dit-il, et qui est établi effectivement, a pris corps à l'origine dans des départements de lettres, en particulier dans le monde anglo-saxon, où, avec des travaux pionniers comme le travail d'Edouard Saïd, l'important livre d'Edouard Saïd, L'Orientalisme, ou la fabrication de l'Orient par l'Occident. En d'autres termes, comment l'Europe a un discours de création de l'autre. Il s'est expliqué très clairement dans la préface. L'Europe crée l'autre par son discours et essaie d'enfermer cet autre dans la différence raciale que cet autre a avec l'Occident, avec l'occidental. Donc c'est cela aussi qui est une première dimension de la pensée postcoloniale. Et d'autre part, deuxième dimension de la pensée postcoloniale, c'est comment cet autre, par une sorte de retournement, d'effet boomerang, déploie une autre pensée, une autre réflexion, une autre création critique. Et à l'origine, c'est des penseurs anglo-saxons, notamment dans des penseurs indiens, mais on peut y voir des penseurs de plusieurs parties du tiers-monde. Donc, c'est dit dans l'introduction, c'est très intéressant à répéter, les études postcoloniales montrent que la colonisation est un processus double, un processus d'influence double, une influence réciproque du colonisateur vers le colonisé et aussi une influence du colonisé vers le colonisateur. Et ça rappelle très clairement
Portrait du colonisé de Albert Memmi, qui est cité une fois dans le bouquin, pas cet ouvrage exactement, Portrait du colonisé, qui est un ouvrage de 1974 de Albert Memmi, qui montre précisément que le colonisateur existe parce que le colonisé existe et qu'il y a une relation duale, une relation d'influence réciproque. Ça, c'est en ce qui concerne la pensée postcoloniale. Et la pensée décoloniale, elle, sa genèse nous renvoie davantage dans le continent sud-américain avec des penseurs qui ont entrepris de façon radicale de prendre en compte le point de vue des colonisés qui est largement minoré, qui est largement minimisé dans le discours occidental. Les auteurs sont indiqués là également. Et cette pensée décoloniale insiste sur une chose très importante, à savoir que la modernité est couplée à la colonialité. En d'autres termes, la modernité arrive avec une nouvelle hiérarchie de la domination fondée désormais sur la race. Si la pensée postcoloniale, elle a un moment important, c'est la conférence de Bandung, c'est le milieu du XXe siècle où ces leaders des pays du tiers-monde colonisés émergent sur la scène internationale vers la décolonisation. Ça, c'est le moment majeur de la pensée postcoloniale. Le moment majeur de la pensée décoloniale, lui, ce moment remonte jusqu'à la découverte supposée de l'Amérique, c'est-à-dire 1492. Et pas seulement la découverte supposée de l'Amérique, mais aussi l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ça va être une sorte de tentative de rendre pur l'Occident. Voici rapidement, Ramassio, on pourrait discuter de ces deux notions qui sont à l'introduction de l'ouvrage. Donc maintenant qu'on sait en gros ce que c'est que cette pensée décoloniale, cette pensée qui montre précisément la fabrication de l'autre par l'Occident et la réaction de cet autre, ça c'est la pensée postcoloniale, la pensée décoloniale qui montre précisément le caractère minoré des humanités, des références des autres parties du monde autres que le monde occidental. Je vais embrasser la première partie de mon travail en insistant sur quelques thématiques. D'abord l'universel, le professeur Mamadé en a parlé. C'est une thématique majeure. Je pense qu'elle est en train de fondre dans tout le livre. C'est vraiment la thématique qui revient dans tout le livre. Et il y a de très belles pages sur cette question. Et la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a une distinction qui est faite, effectivement, entre cet universalisme de surplomb, qui est l'universalisme occidental colonialiste, qui a considéré à dire que la mission civilisatrice est un universalisme de surplomb. Elle se tient à la verticale, comme disent-ils, et elle veut ramener ses autres peuples dans son sillage. Et puis, il y a l'universalisme latéral, qui est un universalisme de dialogue, d'échange, et pour reprendre le mot de Bachir Ndiaye, qui est extrêmement important dans sa pensée, l'universalisme au sens de Bachir Ndiaye, c'est l'universalisme de traduction. Et quand on dit traduction, on a tout de suite la question de la langue. Et la question de la langue est une dimension fondamentale dans le livre. Il y a de très belles pages là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet universalisme de traduction? Pour Bachir Ndiaye, l'universalisme, c'est le fait que nous avons dans l'expérience de traduire une langue un formidable élan de décentrage. On doit quitter notre position quand on a une langue à traduire. Et c'est précisément ce décentrement permis par la traduction qui est au cœur, chez Bachir Ndiaye, de l'universel. Donc l'universel, pour lui, c'est l'universel de traduction, encore une fois. Et pour lui, le professeur l'a indiqué, l'universel n'est pas derrière nous. Il n'y a pas un moment à chercher comme le siècle des Lumières ou un autre moment dans l'histoire pour chercher quel était le moment de l'universel. L'universel est un projet. C'est quelque chose qui est devant nous. C'est un avenir à construire. Et ils finissent une partie de l'ouvrage sur cette dimension très importante pour lui, sur une formidable citation de Goethe, en disant ceci: celui qui ne connaît qu'une seule langue ne connaît rien à celle-ci, ne connaît rien à cette langue. C'est précisément que la pluralité des langues est la condition de l'universel, en d'autres termes, est la condition de la traduction, donc de l'universel. Maintenant, un autre thème très, très important, c'est la question de l'islam. Et la question du soufisme, le soufisme qui est un courant majoritaire de l'islam en Afrique de l'Ouest, qui a été dépeint souvent comme un courant pacifiste, un courant de tolérance, par opposition à d'autres courants comme le wahhabisme, porté vers le sabre, vers le djihad, vers le salafisme, vers le djihad, vers la confrontation armée. Et là, il y a une attaque en règle. Le professeur a tout à fait raison sur cette ère de lutte avec frappe. Le challenger, c'est Jean-Louis Anselme,
qui arrive avec des coups, qui, dès qu'on siffle, il engage la bagarre, il donne les coups, il n'est pas du tout dans l'esquive, il l'affronte. Et puis on a en face un philosophe, un homme avec un flingue qui est dans l'esquive, pas la fuite, dans l'esquive, et qui, je vous le dirai plus loin, donne également ses coups. Et donc, sur cette question, Jean-Louis Anselme indique très clairement à travers le titre d'une partie qu'il y a une instrumentalisation politique du soufisme. En d'autres termes, le projet colonial a comme organisé l'émergence du soufisme pour les besoins de la domestication des peuples d'Afrique de l'Ouest, parce que cette version de l'islam lui était plus favorable au projet colonial que les autres versions supposées radicales. On peut faire des développements très intéressants ici. Là, je dois... Je ne vais pas émettre un avis d'abord. La réponse de Bachir Ndiang est longue à se déployer et tout, mais elle est magistrale. À partir du moment où elle évoque l'un des plus grands penseurs africains, Ahmed Baba, qui est un penseur de 1556 à 1627, Amer Baba qui dit ceci: les peuples du Soudan, entendu Soudan, cette partie de l'Afrique de l'Ouest, ont accepté l'islam sans avoir été conquis par qui que ce soit. Et là, il y a un formidable travail d'histoire qui est fait par Souleymane Bachir Ndiang, qui fait la généalogie de l'islam de l'Afrique de l'Ouest, de l'islam ouest-africain, du soufisme, qui montre précisément comment cette pensée s'est déployée très tôt et qui n'impose pas le déterminisme, mais indique une chose importante à savoir que le soufisme est arrivé en Afrique de l'Ouest, pas par des conquérants armés, pas par des projets politiques, mais par des marchands. Et donc par des voies pacifiques, par des voies de pacifisme. Là également, on a quelque chose de très intéressant. Si je dois dire ce que je pense qu'à la lecture, le professeur pourra rediscuter cela tout à l'heure, à la lecture du texte consacré à l'islam instrumentalisé et à la réponse de Bachir Ndiang, on peut penser qu'il y a vraiment une sorte d'anachronisme dans l'analyse de Jean-Louis Anselme. Parce que ce qu'il dit sur la période coloniale est évident, est très clair. Par contre, ce qu'il dit sur la période coloniale ne disqualifie pas des siècles et des siècles de pensées soufies qui, comme il le rappelle Souleymane Bachir Ndiang, ont des moments également de djihad très ouverts, violents, mais, dit-il, essentiellement, contiennent un message de tolérance, comme il a rappelé tout à l'heure, un message qui est fondé sur l'un des grands penseurs du soufisme, qui indique très clairement que Dieu aime également les impies, Dieu aime les infidèles. Troisième thématique, c'est la question de l'interdit racial et de la représentation. D'abord, Bachir Ndiang, puis Jean-Louis Anselme reviennent sur des faits, des anecdotes, de moments importants. D'abord, Bachir Ndiang évoque ce qu'il appelle... Il n'appelle pas ici, on pourrait dire, la tragédie qu'a subie une artiste blanche aux États-Unis qui s'appelle Dana Schultz, qui a fait une œuvre qui s'appelle Open Casket, qui est en fait une œuvre qui s'inspirait d'un drame qui est arrivé autour des années 1955 aux États-Unis. Une mère qui a perdu son fils, qui a été soupçonnée par des suprémacistes blancs de vouloir flirter avec une blanche. Cette mère est noire, son fils est noir, et qui a été lynché donc à mort. Et la mère a exigé qu'on ne ferme pas le cercueil pour que l'horreur que son fils a subie pète à la face des États-Unis, de l'Amérique. Et 50 ans après, cette artiste blanche fait une œuvre qui s'inspire de cela, de ce cercueil ouvert. Et il y a une levée de bouclier de la part de milieux militants afro-américains, noirs donc, y compris jusqu'en Europe, qui disent qu'elle n'a pas le droit de s'inspirer de ce drame parce qu'elle n'est pas blanche. Et pardon, parce qu'elle est blanche, elle n'est pas noire. Donc là, il y a quelque chose de très fort qui est dit. Et quand Jean-Louis Anselme reprend la parole, il donne un autre exemple également, qui est celui de Exhibidi, qui est un autre cas d'un artiste sud-africain blanc qui peint une scène qui est censée montrer l'horreur coloniale. Et dans cette scène, il y a aussi l'horreur contre les nazis qui est faite et contre les juifs, qui est également illustrée. Mais on voit dans la scène le fait que les noirs qui sont dans la scène sont... C'est une performance, hein. Les noirs qui sont dans la scène sont des personnes qui ne parlent pas. Et à l'occasion de la présentation de cette œuvre en Angleterre, il y a eu également
une chose similaire à ce qui s'est passé avec le cas indiqué par Bashing Diang, c'est-à-dire une sorte de refus qu'une blanche puisse s'accaparer une histoire coloniale et puis un blanc, cette fois-ci, une histoire coloniale et en donner sens. Parce que, simplement, pour ceux qui rejetaient cela, simplement parce que c'était pas, cet auteur n'est pas noir. Et là, j'ai envie de faire une parenthèse avec notre situation actuelle. Nous sommes dans une situation où nous avons des minorités qui sont écrasées sur notre continent et très clairement dans notre pays. C'est le cas des Yirgou. Et c'est le cas du centre Mali qui est un formidable spectacle de pogroms répétés qui n'obtient pas l'indignation légitime de la part des Africains, de la part des intellectuels africains. Pourquoi je fais le lien? Si on continue le raisonnement des Noirs sud-africains, des Noirs américains qui sont opposés à ces œuvres-là, si on fait le parallèle ici, on peut penser que si on n'est pas Peul, on n'a pas le droit de battre sa coulpe ou de pleurnicher le drame qui est arrivé à Yirgou, parce que c'est un drame qui est, en tout cas le massacre, le pogrom anti-Peul, est un drame qui est Peul. À ce niveau, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qu'il faudrait conjurer, à savoir que, me semble-t-il, le rôle de l'intellectuel comme le rôle de l'artiste, au cœur de ce rôle de l'intellectuel comme de l'artiste, il y a cette formidable générosité, à savoir être concerné par ce qui ne nous regarde pas, a priori. Et donc, le fait qu'il y ait ces réactions montre qu'on a quelque chose qu'il ne faut pas suivre, en tout cas dans notre situation. Une autre thématique importante, c'est Afrique. La question de l'Afrique avec S entre parenthèses. Et là, on a également une très belle bagarre, une très belle lutte qui est engagée. Et comment est-ce que Jean-Louis Anselme explique très clairement, je reviens en arrière du reste sur l'identité, ce qu'il disait. Pour Jean-Louis Anselme, il y a une sorte d'inexistence principielle de la langue et donc de l'identité locale. Il dit très clairement, la langue n'existe pas. Et si vous regardez une vidéo entre les deux auteurs sur Internet, vous allez voir effectivement qu'on est vraiment sur une scène de bataille, une lutte avec frappe. Et la frappe que Bashir Diang donne est de dire, il dit en gros ceci, je suis philosophe de formation, donc je suis censé comprendre toutes les propositions logiques. Mais je ne comprends pas cette proposition qui dit la langue n'existe pas, mais on la parle. Donc il y a quelque chose, dit-il, de profondément illogique dans cette situation. Pour revenir à l'Afrique, pour Jean-Louis Anselme, pour aller rapidement, il n'y a pas d'Afrique au singulier, il y a plusieurs Afriques, parce que l'Afrique est plurielle, l'Afrique est travaillée par des singularités, ainsi de suite. Et la conclusion est de dire, en gros, ce désir d'Afrique que Souleymane Bachir Diagne a exprimé est un désir, j'allais dire, fantasmatique, même si le mot n'a pas été dit là. Et la réplique de Souleymane Bachir Diagne est d'indiquer que, au fond, les différences qui existent en Afrique sont similaires aux différences qui existent entre les Européens. Et il dit qu'il est tout à fait curieux qu'en dépit de cela, l'Afrique soit le seul continent où on voudrait mettre un S à la fin de son appellation. Donc là également, il y a quelque chose de très très intéressant. Et puis, il y a la question des droits de l'homme. Et donc, là, une question que Jean-Louis Anselme pose, qui est de savoir, est-ce que les droits de l'homme sont nés en Afrique, ont une origine africaine, une antériorité africaine, donc, des droits de l'homme. Et là, il développe quelque chose qui laisse penser que la charte du Mandé a été une fabrication de chercheurs, d'entrepreneurs politiques pour des visées de construction nationale. Je vais vite en disant cela, on pourrait revenir là-dessus. Et c'est là que le livre est, d'un point de vue de la rhétorique, m'a le plus fasciné. À cette partie, quand j'ai lu la page, je ne sais plus laquelle, je vais vous la retrouver, quand j'ai lu cette page, j'ai pensé que le livre était fini à cette page, à la page 264. Parce que quand il dit cela, en évoquant une sorte de mise en scène, acte 1, acte 2, acte 3, comment la charte du Mandé a été, en gros, fabriquée, a posteriori, par un anachronisme, Bashir Diagne reprend la parole, sans esquive, déblaye un peu le terrain et finit par dire que nous ne sommes plus en présence d'une discussion, mais d'une posture
complotiste. Et je trouve que ce n'est pas une fuite en avant, c'est exactement, en relisant ce que Jean-Loup Ancel dit, c'est exactement ce que je pense qu'on pourrait dire. Parce qu'il n'y a aucunement une démonstration du caractère non historique de l'événement qui s'est passé à Kourou-Kanfougan. Il n'y a aucunement une démonstration de l'invalidité de la parole des griots. Il y a simplement une supputation sur le fait que tout ça est contradictoire, tout ça est surprenant que ça vienne de la part de pays qui sont à la recherche d'identité. Et là, ça nous rappelle quelque chose de très intéressant, au moins deux choses. La première, c'est ce que Cheikh Anta Diop dit dans un entretien où il explique que quand il a commencé ses travaux sur l'Égypte nègre et qu'il a rencontré ça en bibliothèque, il a fui la question. Il a rangé ça, il a fui tout simplement parce qu'il s'est dit, on va dire qu'il allait chercher des ancêtres nègres en Égypte pour que le processus de la lutte anticoloniale soit revivifié et pour que les nations africaines à reconstruire aient de la ressource historique. Et il ne revient sur l'Égypte antique à force d'arguments, à force de preuves et par amour pour la vérité, dit-il. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça va m'amener à mes dernières observations, c'est Kizerbo. Si vous lisez « Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain », qui est l'œuvre magistrale du professeur Kizerbo, à l'introduction dit tout en fait, d'un point de vue scientifique, c'est dans l'introduction que tout se passe dans ce livre. Et dans l'introduction, c'est un livre, je pense, de 72, je peux le dire tout à l'heure, l'année. Donc plus de 40 ans avant, l'introduction a refait, me semble-t-il, l'essentiel des discussions actuelles. Pourquoi? Parce que dans cette introduction, Kizerbo évoque tous ces penseurs occidentaux, depuis Gobineau jusqu'à Hegel, qui ont nié l'historicité de l'Afrique et qui sont restés dans un universalisme qui était au fond l'érection du particulier européen en universel. Et c'est donc tout à fait curieux que Kizerbo ne soit cité nullement dans l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très curieux. Pas du tout parce que je suis kizerboïen, que la matrice de la pensée de Kizerbo est pour moi une manière de... C'est un maître à penser pour moi, Joseph Kizerbo. Pas mon seul maître, mais c'est un maître à penser pour moi. Et un maître à penser ne veut pas dire qu'on est des talibés. C'est un maître à penser. Pourquoi Kizerbo aurait dû avoir sa place dans le livre, dans les références, pour au moins quatre raisons. La première, c'est la question de l'universel. S'il y a bien un penseur de l'universel, s'il y a une dizaine de penseurs de l'universel en Afrique, on pourrait penser que Kizerbo est au premier rang de ces penseurs de l'universel. Y compris ses œuvres de vulgarisation, comme À quand l'Afrique, traite largement de cela. Et donc même pour le lycéen, Afouka, ouest-africain qui a accès à cette œuvre, on a des éléments de l'universel kizerboïen. Et en conséquence, ces belles formules du genre « l'universel n'est pas l'occidentalisation du monde, il faut éviter le clonage civilisationnel », on est au cœur d'une critique de l'universel de surplomb qui aurait pu venir ici. Deuxième raison pour laquelle il est éclairant pour une telle discussion Kizerbo, c'est qu'on parle de la question de l'identité, qui est pour lui la question par laquelle il ramène toute sa pensée. Pour lui, la question du développement, c'est d'abord la question de l'identité, comme il l'explique. Et là également, me semble-t-il qu'on aurait pu en venir à Kizerbo. Il y a la question du panafricanisme, de l'endogène. Mais je vais finir sur cette observation, sur une chose. Au plan épistémologique, Kizerbo devrait être convoqué. Parce que pour moi, d'un point de vue scientifique, la plus grande contribution de Kizerbo à la science historique a été de montrer par une méthodologie comment les sources orales peuvent être des sources de science. Or, la critique que Jean-Loup Ancel fait à la charte du Mandé est une critique qui la renvoie toujours à une pensée orale, à quelque chose de non écrit, et ainsi de suite. Donc là également, je pourrais dire davantage, mais bon, je sais que j'ai dépassé lourdement mon temps. Je vais finir par une pensée qui est tout à fait personnelle. En tant qu'économiste, quand j'ai lu ce livre, il était extraordinairement stimulant et je ne suis pas content de l'avoir déjà lu en ce moment parce que je suis complètement débordé par mille choses à faire actuellement, plein de papiers que j'écris à gauche, à droite, d'engagement intellectuel. Et il va me contraindre à griller encore des heures et des heures pour travailler sur une question, qui est laquelle ? Qui apparaît pour l'économiste que je suis de façon massive dans ce livre. Voici comment un philosophe, comment un anthropologue,
Et comment tous les auteurs qu'il cite reviennent à de la fécondité intellectuelle à partir de la nécessité de dépasser le projet colonial, le projet d'identité coloniale. Et je vous pose la question, qu'est-ce que cela veut dire pour l'économiste? Qu'est-ce qu'une pensée décoloniale pour un économiste? Et en d'autres termes, le projet de recherche, c'est comment dépasser le développement qui est le rêve du blanc à la lumière de toute cette compréhension de la centralité de l'Europe dans la pensée mondiale, dans la centralité supposée de l'Europe dans la pensée mondiale. Et pour reprendre ça d'une autre manière, je vais en finir là, c'est finalement comment l'économiste peut penser un humanisme pas alternatif, pas anti-occidental, encore moins, mais un humanisme de la pluralité. Pour parler comme Béchir Ndiagne, un humanisme de la traduction, qui puisse faire en sorte donc qu'on ait d'autres possibilités de penser la question économique que le rêve occidental, qui est devenu aujourd'hui le rêve le plus populaire dans les manuels d'économie. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, pour cette lecture de ce livre. Donc, nous allons donner la parole à celui ou celle qui veut la prendre en fonction de ce qui a été entendu, ce qui a été dit, donc des réactions dans le public. Les différences de vue entre les deux auteurs sur la question de l'Afrique, les Afriques. On nous reproche souvent de rester dans une confrontation Afrique pensée occidentale. Moi, j'ai un peu essayé de décaler la problématique avec la pensée chinoise. Or, je constate aujourd'hui que la pensée chinoise nous égare aussi. Parce que l'évolution, l'usage que la Chine a fait du marxisme est un raccourci pour faire comme l'Occident. Et la pensée occidentale aboutit à une impasse. Alors je ne sais plus si nous ne devons pas revenir à une pensée endogène, comme dit Kieser. Je voudrais savoir, est-ce que dans leur approche de l'universalisme en tant que projet, est-ce qu'ils parlent de la dimension qui peut être utopique, l'universalisme utopique? Est-ce que c'est un projet réalisable? Est-ce qu'ils abordent cette question-là? Et effectivement, que ce soit l'universalisme latéral ou l'universalisme matriciel dont ils parlent, est-ce que quelque part, il n'y a pas toujours ce particularisme qui submerge toujours et qui fait en sorte que l'universalisme devient tout simplement une quête déjà péremptoire? Moi, c'est une question et un commentaire. Le commentaire, c'est déjà le fait que nous ayons constaté, après l'exposé que vous faites sur le parallélisme d'études que les deux ont fait sur les livres, surtout l'avance que le docteur Assolga a noté de Jevski Gizrabo, il y a un livre aussi très important qui est Éduquer ou Périr, très accessible pour le monde scolaire et même universitaire et ainsi de suite. Et dans ce livre, déjà moi ce qui m'a touché, c'est que il tente de prime abord de dire que l'universel c'est une combinaison de nos singularités riches. Ce qui veut dire qu'un projet universel comme étant une finalité, une chose en soi saisissable, comme disait tout à l'heure le professeur, est-ce que ce n'est pas finalement, en toute certitude, une vaine quête? Et aussi, peut-on, dans un projet, dans un processus de quête ou de conquête universelle, très pertinemment, arriver à écarter le projet d'une opinion dominante qui finit par
uniformiser les autres points de vue à celles qu'on a. Et jusque-là, les projets ou les processus d'universalisme qu'on a eu ou qui ont tenté d'avoir cours ont fini tristement dans des schémas de tentatives d'uniformisation. Et là est aussi ma question en même temps, comment on bondit ou comment on arrive à saisir un universalisme en dehors d'une particularité? Je suis en train de me dire que l'universalisme, l'universalité, si elle existe, c'est peut-être pas au niveau des peuples, c'est peut-être au niveau individuel. Il me semble que les aspirations profondes des personnes que nous sommes sont très semblables. Voilà, j'avais juste envie de partager ça, ça m'est venu comme ça en vous écoutant. Merci. Merci. Alors, sur la première question, faut-il dire l'Afrique au singulier ou l'Afrique au pluriel? Ce qui est intéressant de relever, c'est que justement, Jean-Loup Amsel, il se méfie de l'Afrique au singulier. Réclame, qui vient sur le continent en Afrique, en Europe, aux Amériques et à l'Asie. Et il critique ce touriste européen. De l'affirmation d'une essence qui pourrait être opposée à d'autres essences. Et c'est d'ailleurs pourquoi il critique le projet des ateliers de la pensée que Achille Mbembe, Felwine Sarr organisent régulièrement à Dakar. Et sur ce point, il oblige Bachir à dire effectivement qu'il n'est pas partisan d'une pensée raciale, une pensée noire, une pensée qui se voudrait africaine au sens fort, qu'on peut délimiter par rapport à d'autres pensées sans qu'il y ait de communication. Et la position de Jean-Loup Amsel sur cette question-là est celle qui est la plus intéressante parce qu'elle est très provocatrice. Il dit clairement, je ne crois pas aux langues, je ne crois pas aux ethnies. Et il critique tous les anthropologues, les Lévi-Strauss et autres, et d'autres anthropologues, Lévi-Strauss et l'Amérique latine, d'autres anthropologues qui ont travaillé sur l'Afrique. Et il critique beaucoup le travail de De La Fosse, qui a été très important au départ, mais qui a contribué justement à la fabrication des ethnies. Or, il voit derrière cette démarche la création d'ensemble qu'on veut rapporter à des visions du monde, et pour lui, tout cela participe d'une alimentation de la confrontation entre les sociétés. Voilà. Alors, Bachir va lui répondre que l'Afrique est une dans la diversité, tout comme la diversité en Europe n'empêche pas le projet de construction d'une Europe avec une ambition politique forte. Donc, c'est sur ce point-là, et les deux positions s'entrechoquent, mais aboutissent quand même à l'affirmation d'une même crainte, c'est-à-dire celle de la réification des identités qui va soutenir une confrontation entre les peuples, entre les sociétés, entre les cultures, entre les religions, entre les langues. Voilà. Donc voilà pourquoi ils font cette distinction entre l'Afrique au singulier et l'Afrique au pluriel. Et dire, parler de l'Afrique au pluriel, c'est mettre l'accent sur cette impossibilité d'une essence à fixer. C'est effectivement cela. Et j'ai envie d'évoquer une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous connaissez le documentaire qui a été fait sur Kizerlo par Sotidi de Danny Kouyaté, qui s'appelle Identité au singulier, Identité au pluriel. Là où il y a encore une raison de plus avec une symétrie. Formidable, c'est un documentaire, je pense qu'il y a plus de 15 ans, ça a été fait. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ce risque, ça c'est très intéressant pour l'humaniste de constater effectivement que ces deux grands penseurs mettent les lignes rouges sur ces dérives possibles qui pourraient être des dérives
raciale, raciste, et voire plus loin. J'ai envie de dire que, tout de même, à la page 217, le propos de Jean-Loup Ancel, sans doute par provocation, c'est de l'inexistence de l'Afrique. Yeah. Un point de suspension et de l'Europe. Tout à fait. C'est l'idée que l'Afrique est un signifiant flottant de nature performative qui appartient à tous ceux qui s'en réclament, qui vient sur le continent en Afrique, en Europe, aux Amériques et en Asie. Et il critique ce touriste européen qui, quand il fait un tour à Ouagadougou, dit « Je reviens d'Afrique, je connais l'Afrique, moi, et tout. » Mais personne n'y reviendra, personne ne dire, après avoir fait un tour en Auvergne, dire « Je connais l'Europe », il va dire qu'il connaît la France. Il y a ça en premier lieu, mais il y a, me semble-t-il, une chose très importante que Souleymane Bachir bien souligne, qui est que l'Afrique au singulier est un projet. Comme l'Europe au singulier est un projet. C'est très intéressant parce que quand vous regardez les décennies passées, voire les siècles passés, l'Europe au singulier n'existe pas. L'Europe au singulier est une construction politique, intellectuelle. Et l'Afrique au singulier, il dit, c'est une ligne d'horizon, c'est un projet, et je souhaite que ce soit sur cette matrice que la jeunesse africaine rêve et pense demain. En gros, ce qu'il dit. La question de la pensée endogène. Un des intérêts de cet ouvrage, c'est que pour ceux qui n'ont pas lu d'autres ouvrages de Souleymane Bachir Ndiaye, il présente son projet de décolonisation de la philosophie. Dans la pensée décoloniale, il y a une dimension spécifique de la décolonisation de la philosophie. Et Bachir Ndiaye a sa façon d'envisager cette décolonisation. Elle passe par une déconstruction de l'histoire de la philosophie, qui voit en elle un processus qui s'est déroulé essentiellement sur le continent européen, qui a commencé en Grèce, qui s'est déployé à travers l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et au XXe siècle a abouti en Amérique. Bachir Ndiaye remet en cause ce schéma-là, justement, pas en convoquant l'exemple de l'Asie. Il y a des penseurs en Asie et les intellectuels européens n'ont aucun mal à les admettre. Mais justement, pourquoi? Parce que la plupart des grands penseurs asiatiques, le taoïsme, le bouddha, ça remonte loin. C'est l'Antiquité. Voilà. Et il y a des philosophes célèbres, par exemple un auteur comme Nietzsche, il a été beaucoup fasciné par la pensée hindoue. Voilà. Alors, ce que Bachir Ndiaye va proposer, c'est de prendre en compte la pensée africaine qui s'est développée au contact du monde arabe depuis le Moyen-Âge, avec la création d'universités africaines au Moyen-Âge, l'université de Pire au Sénégal, Tombouctou, qui ont été des grands centres universitaires où il y a eu une véritable effervescence intellectuelle, où des savants africains ont étudié en arabe et ont commenté des philosophes comme Aristote, comme Platon, du côté des Grecs, des auteurs comme Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Sina, c'est-à-dire Averroès, Avicenne, du côté du monde arabe. Et certains de ces savants africains sont allés jusqu'à écrire des textes dans leur langue, le Poulard, le Malinké, avec des caractères arabes. Et cette partie de l'histoire de la pensée, aujourd'hui encore, est largement ignorée, non seulement en Europe, mais nous, chez nous-mêmes en Afrique. Et dans le monde arabe. Pourquoi? Voilà, écrit en bas. Pourquoi? Parce que la plupart des manuscrits ne sont pas transcrits et ne sont pas traduits. Voilà, le sacrilège du pillage des manuscrits de Tombouctou, là, c'est ça. Il y a des pièces comme ça dedans, qui atteste effectivement que depuis le Moyen-Âge, il y a eu des savants africains
qui ont écrit des textes de philosophie, qui ont commenté, écrit des textes de logique. Or, ça c'est une histoire de la philosophie qui est largement ignorée dans les manuels aujourd'hui. Et c'est la réhabilitation de cette histoire de la philosophie qui, pour Bachir, est une contribution à la décolonisation de la philosophie. Bien. Il y a un autre aspect. Je reviens sur la question de la langue. Quand Jean-Loup Amsel dit « la langue n'existe pas », personnellement, je l'entends et je le comprends. Parce que les sociolinguistes montrent que, justement, la langue est fonction du milieu. Le français que nous parlons ce soir dans cette discussion-là, ce n'est pas le français qu'on parle dans un bistrot parisien du 18e arrondissement. Donc, en fonction des milieux sociaux, la langue se transforme. En fonction du locuteur, la langue se transforme. C'est pour cela que Jean-Loup Amsel dit « la langue n'existe pas, il existe des gens qui parlent la langue. Elle n'existe que quand elle est parlée », pour insister sur la dimension de la performance, le performatif. Or, ce qu'il oublie de constater, et ce sur quoi Bachir lui-même ne pouvait pas insister parce que, justement, il n'y a pas encore assez de travaux qui permettent de voir cela, c'est que dans les langues africaines, on peut exprimer cette diversité des régimes des discours. Voilà. On peut dire en moré que la langue que nous parlons dans cette conférence n'est pas la même que celle qu'on parle, dans le fin fond du Lorou. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut transformer, on peut utiliser les langues africaines de telle sorte qu'elles réfléchissent sur elles-mêmes et qu'elles prennent conscience de la pluralité des régimes de discours que recouvre toute langue. Or, si vous arrivez à faire ça, vous contribuez à une réhabilitation des langues africaines face à ceux qui disent « la langue africaine ne peut pas exprimer le concept. Les langues africaines ne peuvent pas être utilisées pour la science. Ce sont des langues qui peuvent être utilisées pour les échanges domestiques, pour le marché, pour la famille, mais vous ne pouvez pas parler de logique, vous ne pouvez pas parler de philosophie dans nos langues africaines. » Souleymane Bachir Ndiaye tend vers ça. Il en parle dans l'ouvrage et il parle d'ailleurs d'un projet d'un de ses étudiants qui a fait une anthologie de la philosophie africaine en demandant à des grands philosophes africains d'écrire chacun un court texte dans sa langue maternelle. Et ils ont publié l'ouvrage en 2013. Le titre c'est « Listening to Ourselves ». Hein? Alors, et lui-même, il a un projet de faire un ouvrage collectif entièrement en Wolof avec différentes entrées, des concepts qui vont être partagés entre ses collègues et chacun va développer un concept pour montrer que les langues africaines sont capables d'être utilisées pour exprimer le savoir scientifique. Monsieur, alors, quand si vous permettez, je me permets de vous interrompre parce que je sais... Nous en avons fait la confidence, oui. Que vous avez un projet de livre qui est quasiment terminé, sinon oui. Terminé. Oui. Je sais que c'est en gros à ça que vous faites allusion. Oui. Je me permets de vous poser une question qui revient dans le livre, qui oui. Est sur la langue. Quoi, pour oui. Pas, c'est pourquoi est-il nécessaire d'écrire de la science ou de la création dans nos langues africaines? Voilà. Grande question qui a fait l'objet d'un séminaire de 24 heures que moi-même j'ai animé entièrement en moré. Voilà. Alors, pourquoi? La réponse, premièrement, c'est que un des aspects, un des effets fondamentaux de la domination que nous avons subie, on parle beaucoup de l'exploitation économique, mais la domination culturelle, et ses effets sur notre propre mentalité
c'est extrêmement profond. Or, si nous arrivons justement à promouvoir nos propres langues, de telle sorte que nous arrivions, il ne s'agit pas de montrer à quelqu'un, de nous convaincre nous-mêmes que nous pouvons penser dans nos langues, que nous pouvons parler économie dans nos langues, que nous pouvons parler sociologie dans nos langues, que nous pouvons parler critique littéraire dans nos langues, que nous pouvons parler philosophie dans nos langues, mais l'effet sur notre propre mentalité collective est imprévisible. J'ai dit bien imprévisible. C'est un argument qui est absent du livre et il est très étonnant, en particulier de la part de Jean-Louis Ancel, dont on connaît un peu le tropisme de gauche, on pourrait dire, et cette théorie de la domination est complètement absente. Par contre, comme vous l'avez indiqué, Bachir Ndiaye aboutit au même résultat avec d'autres arguments. Le premier argument, des arguments qu'il évoque, c'est la traduction de, faite par Charanta Diop de la théorie de la relativité en Wolof, qui est dans la Nation de l'agriculture, et également de Horace, de Corneille. Et ça, c'est également des éléments importants. Mais je voulais juste, pour la petite anecdote, indiquer la réponse de Bachir Ndiaye qui dit à Jean-Louis Ancel qui pose la question de, en gros, pourquoi est-il nécessaire de faire de ces langues des langues de création? Il dit, la question n'a même pas à se poser, parce que pourquoi, quand moi je veux faire de l'économie amoureuse ou je veux faire de la philosophie amoureuse, pourquoi je dois expliquer mon choix? Pendant que quand je le fais en français, je n'ai aucun choix à faire. Venant de la part de Mamadé Sarwadogo Ouagadougou, on aurait pu lui demander plus tard, pourquoi est-ce que vous voulez faire de la philosophie en français? Et c'est ça qui est le paradoxe de la situation que je voulais dire. Désolé de vous avoir interrompu. Alors, ça permet aussi de répondre à la question de l'universel utopique. Alors, quand Bachir parle de l'universel comme projet à réaliser, on peut y voir une sorte d'utopie vers laquelle on tend. Hein. Maintenant, cette utopie n'est pas un rêve vague et beau de poète, hein, même si le poète rêve pour mieux vivre. Oui. Hein? Il s'agit de montrer qu'effectivement, il y a des démarches qui attestent de la possibilité de se rapprocher de cet universel. Et pour Bachir, la traduction est une expérience essentielle. C'est de Rassabre de la rappeler. À cause de cet exercice de décentrement, vous voyez, traduire, c'est littéralement sortir de soi pour essayer de rentrer dans la tête de l'autre. C'est ça. Donc, on se décentre littéralement. Et c'est là qu'on fait l'expérience que, quelles que soient nos différences, il y a quelque chose, je ne dirais pas que nous avons en commun, mais que nous cherchons en commun à dire. C'est ça qui est formidable. Parce que si on l'a déjà, on peut dire que c'est réglé. Mais nous cherchons à dire, et au bout du compte, à travers toutes les langues, quelque chose qui peut se partager cherche à se dire. C'est ça. Maintenant, déterminer le contenu de ce quelque chose-là, ça c'est un grand défi par excellence. La question de l'individu, Souleymane Bachir Ndiaye insiste là-dessus, et d'ailleurs son interprétation de la charte du Mandé qui est surprenante, il utilise la charte du Mandé pour critiquer la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous avez la mention peuple. Et les Africains ont pris ce titre-là et ils ont voulu dire que ils vont réagir contre l'individualisme des Européens. Les Européens insistent sur les droits des individus et les Africains, dans la charte, essaient d'insister sur les droits des peuples. Alors, il y avait un contexte aussi qui justifiait ça, c'est que beaucoup de pays africains ont été colonisés et jusque encore dans les années 70, la charte a été adoptée en 81. Il y avait des pays qui étaient encore sous domination.
Donc les Africains ont voulu insister sur les droits des peuples. Eh bien, pour Bachir Ndiaye, la charte du Mandé atteste que l'individu n'était pas absent de la pensée africaine. Parce que les droits qui sont affirmés dans la charte du Mandé, ce n'est pas les droits d'un collectif, ce n'est pas les droits d'un peuple dans son ensemble, c'est des droits que la société reconnaît à ses membres, à des individus. Voilà, les sujets de l'Empire du Mandé ont droit à ceci, à la protection de leur vie, à ceci, cela. Et donc, Bachir Ndiaye se passionne pour ça. Et il dit, voilà, ceux qui nous disent que nous n'avons qu'une vision collectiviste, voire communautariste, eh bien, voilà que dans cette charte-là, il y a une vision individualiste qui s'affirme. Et c'est d'autant plus significatif que cette charte remonte au Moyen-Âge. Ce n'est pas le 18e siècle, ce n'est pas le siècle des Lumières, ce n'est pas le 19e siècle, ce n'est pas le 20e siècle. C'est le Moyen-Âge. Voilà pourquoi il ne supporte pas que Jean-Louis Amsel entreprenne de déconstruire littéralement ce qu'il appelle la fabrication de la charte du Mandé. Et l'une des rares phrases dans lesquelles Bachir est vraiment catégorique, c'est sur cette question. Je vous lis la phrase parce que c'est, quand on le connaît c'est intournable, et quand on le lit, on est surpris qu'il soit aussi ferme. C'est la page 264. Oui. Il dit ceci, deuxième alinéa. Il faut être clair ici. Sur ce point-ci, plus que sur aucun autre que nous avons discuté dans cette conversation libre, mon opposition à ce que dit Jean-Louis Amsel est totale et radicale. Enfin. Il faut continuer, me semble-t-il. Il y a deux phrases derrière, me semble-t-il, qui sont très très essentielles. Oui. 264. Voilà. Un coup de poing vers un autre coup de poing. Non, pas parce que je ne crois pas qu'il faille discuter les méthodes de reconstitution de la charte du Mandé, mais parce que l'on n'a pas affaire justement, d'après ce que dit Jean-Louis Amsel, à une discussion, mais à une posture complotiste. Quand on connaît Bachir, ça, pour qu'il sorte de ses gonds comme ça, ça veut dire que vraiment le sujet... Mais peut-être, pour moi c'est un tournant majeur du livre. Tout à fait. Et pour moi le livre est fini là-bas. Ouais. Pourquoi? Parce que, au fond, moi j'attendais cette réaction, parce qu'effectivement... Quand on a regardé la critique que Jean-Louis Amsel fait de l'évocation de la charte du Mandé, yeah, on peut la relire à plusieurs reprises, yeah, on n'a pas beaucoup de logique, on n'a pas beaucoup de tenue analytique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on a une posture complotiste. Une charte qui est datée de 1235 par ceux qui la datent comme telle. Et du reste, dans cette partie encore, Souleymane Bachir Ndiaye observe les incorrections qu'il y a dans l'argumentation de Jean-Loup sur les auteurs. Parce qu'il l'indique, c'est Youssouf Tata qui indique très clairement la datation, qui a fait un travail, il l'attribue à d'autres personnes. Donc il parle des incorrections, des imprécisions, voire des faussetés dans la critique. Mais surtout, me semble-t-il, il ne le dit pas. Moi, je crois qu'il y a un vrai anachronisme dans la situation, c'est-à-dire... Comment une charte qui est datée de 1235, en 2000, au 21e siècle, on la discute à partir simplement de séminaires réalisés à quelques décennies sur la charte pour lui donner une dimension écrite. Oui. Donc, me semble-t-il là que nous avons une argumentation défaillante par opposition à des conclusions auxquelles elle a récusé des questions extrêmement graves, puisqu'il dit très clairement qu'il y a une tentative de faire exister les valeurs occidentales dans l'historiographie africaine pour s'en prévaloir et montrer qu'on est dans l'histoire. Qui rappelle une chose importante, qui est comment l'entreprise coloniale a procédé par la délégitimation de l'Africain dans son rôle historique. Qu'il vous souvienne encore, l'Afrique n'est pas rentrée suffisamment dans l'histoire et ainsi de suite. C'est des éléments très importants, me semble-t-il. Et à ce niveau, moi j'ai trouvé qu'il y avait, à part la partie où on a parlé de l'islam, où Bachir Ndiaye a fait un travail d'historien, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment un recul d'historien, celui qui parle encore une fois, mais je veux indiquer par là que c'est précisément
la science historique nous permet de voir là un anachronisme total. Voilà. Justement, alors, ceci dit, il faut reconnaître que la posture de Jean-Loup Amsel est tout à fait conforme à sa tournure d'esprit et à sa perception des phénomènes culturels. Il insiste pour dire que les phénomènes culturels sont toujours pris dans des rapports de force économiques, politiques, la religion, la langue et, bien sûr, les droits. Or, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les phénomènes culturels sont produits par des acteurs et ils contribuent à asseoir l'hégémonie des acteurs sur d'autres acteurs à l'intérieur de l'ensemble que constitue la société. Alors, l'illustration la plus significative de ce travail de fabrication, c'est justement le passage de l'oral à l'écrit. L'écriture, nous savons, est une véritable invention. Alors, pour lui, justement, il voit dans la charte du Mandé une véritable fabrication à partir d'un texte oral. On en est arrivé à produire des textes écrits avec des articles et pour lui, ce processus-là est purement artificiel. À partir de là, il se pose la question, si on l'a fait, c'est dans quel but? C'est pour remplir une fonction politique. Et il restitue la genèse depuis l'intellectuel musulman guinéen Souleymane Kanté, en passant par Youssouf Tata Cissé, Djibril Tamsir Niang, et les rencontres de Conakry et de Bamako, avec l'intervention même de Alpha Omar Konaré. Il restitue le processus de fabrication et il veut montrer que cela répond justement à un besoin politique. C'est très intéressant, d'abord dans la première partie, parce que la lecture des rapports de domination est très éclairante en sciences sociales. On peut regretter que Bachir Diagne ne l'apporte pas de ce point de vue. C'est pas regretté, le livre est équilibré de ce point de vue parce que l'autre tient cette lecture de gauche, qui est très intéressante. Mais je demeure convaincu que ce qu'il a dit, c'est pas convaincu, c'est que le livre commence, il explique comment la pièce qui met en scène l'émergence des droits de l'homme sur le sol africain se joue en plusieurs actes. D'abord, le chapitre s'appelle « Les droits de l'homme sont-ils nés en Afrique ?» C'est pas le propos de la charte du Mandé, c'est une interprétation de la charte. Voilà. Bachir Diagne, enfin, vous savez ça. Deuxièmement, il dit, donc, se joue en plusieurs actes. Acte 1, et nous sommes en 1912 en acte 1. C'est tout à fait curieux que l'acte 1 d'un texte supposé par des historiens, daté de 1235, l'acte 1 commence en 1912. Première chose. Deuxième chose, on est au cœur de l'apport des historiens africains sur l'oralité comme matériau de travail scientifique. Observez une chose très très curieuse. Imaginez un seul instant qu'on efface à toutes les écritures du monde aujourd'hui et tous les supports enregistrés au monde aujourd'hui et que les seuls supports que nous avons sont notre mémoire. Oral. Le seul texte humaniste, pluriséculaire, qui a de la chance d'être reconstitué et entendu, c'est la charte du monde. Précisément parce que ce texte est dans la mémoire des gens. Et le fait qu'on ait des dizaines de milliers de personnes qu'on a rassemblées en Bamako pour entonner ce texte qu'on n'a jamais enseigné à l'école montre précisément la résilience historique de ce texte. Donc il y a un travail formidable qui est fait par des ethnologues, par des historiens et qui établit en gros l'historicité de ce texte. Donc ce travail est complètement balayé. Et deuxièmement, Diagne le dit très clairement, il dit je ne suis pas contre la critique de la méthode. Mais précisément, il n'y a aucune critique de la méthode. Et il rappelle, lui, que les auteurs dont il parle de 2014, y compris Conaré et les autres, ont expliqué dans leur livre, donc un texte écrit, leur méthodologie. Tout à fait. Qui n'était
pas une méthodologie qui consistait à dire que ça a existé dans l'Afrique ou ça donne une altérité à la civilisation, au droit de l'homme en Afrique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je suis tout à fait d'accord que le fait que là, la lutte s'arrête, pour moi, la lutte s'est arrêtée parce qu'il y a un acte d'anti-jeu, ce n'est plus, nous ne sommes plus en science. Nous sommes dans un délire complotiste. Non, c'est très clair, il le dit très clairement. C'est quand même Souleymane Bachir Ndiaye qui le dit. Vous le connaissez très bien. Nous sommes dans un délire complotiste. Et je vous prie de lire ce que Jean-Louis Ansel dit. C'est un délire complotiste. Il n'y a aucune démonstration. En gros, on nous dit ceci. Allez, vous, intellectuels africains qui défendez cela, montrez-nous que c'est un texte historique. Ok, ça, c'est recevable. Mais depuis quand est-ce qu'on nous dit de montrer que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte historique? C'est ça qui est l'enjeu fondamental. Si la question est dit que c'est parce que c'est de la parole, c'est de l'oralité, là on est au cœur effectivement d'une situation où l'apport des historiens africains, donc Kizerbo, au traitement de l'oralité comme matériau scientifique, comme matériau à partir duquel on peut produire de la connaissance scientifique, effectivement absent dans le livre, et c'est une tâche qu'il faut combler. Oui, effectivement, la réaction de Bachir Ndiaye traduit son attachement à la question et la conscience de l'enjeu. Le défaut de la démarche de Jean-Louis Amsel, c'est effectivement même de ramener les droits de l'homme essentiellement aux droits proclamés et écrits. Moi-même, personnellement, chaque fois que je suis amené à parler de l'historique des droits de l'homme, je commence toujours par parler de l'inhérence des droits de l'homme dans toute société humaine. Pour montrer que dans toute société humaine, pour autant qu'elle est composée d'hommes, il y a des comportements qui traduisent la conscience que la vie humaine a de la valeur. Et donc, il faut faire la part entre le sentiment de la valeur de la vie humaine, le sentiment que les hommes en tant qu'hommes ont des droits et la proclamation ultérieure des droits de l'homme qui est un événement historique tardif. Alors, si vous adoptez cette posture, évidemment, les termes du débat changent. Donc, on ne peut plus adopter une posture complotiste. On dira simplement, on est passé de l'implicite à l'explicite. Et dans le cas de la charte du Mandé, et on peut parler de l'implicite qui est passé à l'oral et qui après est passé à l'écrit par le travail de reconstitution des historiens. Mais c'est parce que nous sommes encore une fois, ça il faut le mentionner, nous appartenons à des sociétés dominées que nous sentons cela. J'ai dit bien nous sentons cela. Je pense qu'on est au cœur du livre. Hein. Ouais. Il y a à la page 260, Jean-Louis Ansel finit cette diatribe contre la charte du Mandé en disant « Les récentes révolutions démocratiques africaines de Tunisie, d'Égypte et de Libye, même si la plupart ont échoué, se sont faites au nom de la liberté d'expression et de la démocratie, sans que cela pose de problèmes particuliers à leurs acteurs. Ces derniers n'ont aucunement ressenti, en effet, le besoin de chercher dans le Coran les califats ou les traditions démocratiques berbères. Yeah. Par exemple, des modèles politiques justifiant leur action. Yeah. » Très bien. Observez ce qui se dit dans Charanta Diop, 1954. Il dit, il y a des types d'intellectuels dont tu dois avoir peur. Le premier type, il dit, les cosmopolites scientistes modernisants. Cette catégorie groupe tous les Africains qui raisonnent de la manière suivante. Fouiller dans les décombres du passé pour y trouver une civilisation africaine est une perte de temps. Devant l'urgence des problèmes de l'heure, une attitude pour le moins périmée. Nous devons nous couper de tout ce passé chaotique et barbare et rejoindre le monde moderne technique à la vitesse de l'électron. Vous voyez le parallèle? C'est ça qui est en jeu. Et ça, pour des peuples dominés, pour des peuples, comme vous l'avez indiqué, pour des peuples qui avons été animalisés, avons été marchandisés, nous sommes très, très éveillés à cela. Je vous dis, moi j'ai dit, j'ai applaudi quand j'ai lu la réplique, à partir du moment où on a dit, c'est une posture, c'est une imposture complotiste. À partir du moment où j'ai lu ça, j'ai dit, la bagarre est vraiment terminée. Et je pense, du reste, que la suite du livre n'a plus sa place. Thank you.
parce que à la fin du livre, Jean-Loup Amsel fait une confidence qui est extrêmement importante. Il parle de lui-même et il parle de comment il a été amené à s'intéresser à l'Afrique. Et c'est là où il dit qu'il est juif. Et à partir de cette posture, il se sent sensible aux souffrances des peuples dominés. Je schématise, hein. Et il a été très tôt attiré, ou plutôt provoqué, c'est le mot qu'il faudrait employer, par la situation de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'il a été amené à chercher à venir en Afrique. Cette confidence-là, elle est très importante. Très éclairante. Voilà. Quand j'ai dit qu'à la fin du livre, il se retrouve et il s'accorde, cette confidence est décisive. C'est l'une des rares fois où Jean-Loup Amsel accepte de parler du fait qu'il est juif. Moi, je ne le savais pas. Hein. C'est quand j'ai lu le livre et je suis arrivé à cette partie que je l'ai découvert. Or, qu'il dit ça à la fin du livre, à la fin du débat où il a lui-même joué à provoquer, à cogner, c'est extrêmement significatif. Donc, je dirais quand même que c'est vrai que le moment où Bachir affirme son attachement à la charte de Mandé est un moment central du livre. C'est comme un drame. Il y a un moment où la tension monte et on atteint un niveau élevé. Mais après, la courbe redescend et la fin ne reste pas à la confrontation. Et pour moi, cette confidence-là qu'il a donnée à la fin du livre, qui explique comment lui-même il a été amené à s'intéresser à l'Afrique et qui pousse Bachir à d'ailleurs dire que justement, il faut la solidarité des opprimés contre les formes de domination partout où elles existent. Pour moi, cette confidence-là, elle est importante à la fin du livre. D'accord, vous parlez de la fin du livre, mais il y avait une question peut-être sur laquelle il faudrait revenir, c'était la question de la domination de l'opinion. C'est une critique qui rejoint ce que les deux auteurs ont appelé l'universel de surplomb. L'universel de surplomb, c'est cette idée-là, effectivement, qu'il y a des valeurs propres à une société qui doivent être partagées par toutes les autres sociétés. Et au besoin, les membres de cette société-là vont se charger de conduire la mission d'aller faire partager ces valeurs-là. C'est ça, l'universel de surplomb. Et effectivement, il y a des moyens de fabrication de convictions universelles. De ce point de vue-là, les médias... Et quand on dit les médias, ce n'est pas seulement l'écrit, mais les séries là, que nous avons dans notre télévision. Ça contribue à la fabrique de convictions universelles. Peut-être juste de sentiments universels. Puisque vous avez dit fabrique, j'ai envie de vous entendre sur une chose. Moi, j'ai trouvé curieux qu'on n'ait pas du tout parlé aussi de Chomsky dedans. De Noam Chomsky. Oui. Noam Chomsky, oui. Le linguiste américain. Parce qu'il me semble-t-il que dans l'universel de traduction de Bachir Diagne, il y a quelque part l'idée qu'il y a une langue des langues. Oui. La langue des langues, pour lui, c'est la traduction. Pourtant, Chomsky a travaillé sur cette question également. Oui. Je vais revenir à mon idée avant de répondre à cette question. Donc, quand cette vision de l'universel qui a en fait abouti à justifier l'impérialisme, hein, on peut proposer une autre vision de l'universel. Et c'est ce que les deux auteurs ont essayé de montrer. L'universel de traduction de Bachir, mais même l'universel matriciel, il y a une idée que Jean-Loup Amsel a développée dans le livre, là aussi, qui m'a beaucoup intéressé,
parce que je ne savais pas qu'elle était universelle, justement. Enfin, en tout cas, elle se retrouve dans beaucoup de sociétés. C'est la genèse des sociétés à partir de la confrontation entre des autochtones et des étrangers et qui aboutit à une sorte de contrat social où ceux qui arrivent de l'extérieur vont s'occuper du pouvoir politique et ceux qui sont déjà là vont garder un autre type de pouvoir, par exemple chez les Monsi, il y a le pouvoir sur la terre, le pouvoir religieux. Eh bien, Jean-Louis Amsel montre que dans la construction même de la France, oui, les Germains, les Gaulois, ben ce schéma-là fonctionne. Et que ce n'est pas un schéma seulement qu'on peut utiliser pour comprendre des sociétés africaines, mais même des sociétés européennes, il explique largement dans la genèse du peuplement français, comment ce schéma-là joue. Ça, c'est intéressant à retenir. Alors, l'universel de traduction, Bachir a deux observations. Il a dit, justement, quand il a essayé de traduire des formules logiques en Wolof, d'ailleurs, il en profite pour lancer une pique à Cheikh Anta Diop, en disant ce que Cheikh Anta Diop a fait, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est-à-dire la traduction des formules scientifiques, par exemple mathématiques ou physiques, en Wolof ou dans une langue africaine. Pourquoi? Parce que les formules expriment des rapports formels entre des éléments. Or, les rapports formels sont des rapports non équivoques. Si je dis 2 plus 2 égale 4, si je dis X implique Y, voilà, c'est des rapports formels. Et ces rapports formels sont faciles à rendre. Il dit précisément que dans les traductions que Diop a faites, il a été plus facile pour Cheikh Anta Diop de traduire la hiérarchie de Einstein que de traduire le texte de Horace. Le texte de Horace. Voilà. Parce que précisément, on peut penser que c'est le concept scientifique le plus difficile, que c'est le plus simple. Voilà. Parce qu'on est au cœur de l'univers. Voilà. Donc les textes poétiques et littéraires sont plus difficiles à traduire que les textes de logique ou de mathématiques. Parce que la langue est formelle. Donc il dit, la seule langue universelle, c'est la langue formelle de la logique. Mais précisément parce qu'elle est formelle, elle est vide. Quand on va au marché pour acheter son pain, est-ce qu'on parle en logique? Est-ce qu'on dit « votre pain implique mon argent » C'est poétique, professeur. Ou bien quand on va draguer une femme, on va dire « votre corps union mon corps ». C'est oui, poétique, mais, là encore. Juste pour la discussion, ce qu'il dit, moi, je ne peux pas le dire, en fait. Il dit, en fait, la pluralité des langues est la condition de l'universel et la logique, pour lui, parce qu'il n'insiste pas sur le fait, ce n'est pas la logique qui est l'universel pour lui, c'est la traduction. Oui. C'est-à-dire cet exercice de décentrement qui est extrêmement difficile, qui est une expérience. Tout à fait. C'est cela qui est pour lui. Oui. Alors, mais il en arrive là après avoir critiqué la prétention à l'universalité du langage logique, tout à fait. Justement. Tout à fait. Et maintenant, après ça, il va montrer que c'est par la traduction qu'on peut approcher véritablement la richesse des langues et donc une sorte d'universel concret qui n'est plus seulement l'universel abstrait des formules. Oui. D'où l'importance de la traduction pour lui. Alors, je voudrais quand même vous signaler une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, il s'assume comme philosophe de la traduction et il est universellement désigné comme tel. Mais à l'origine, ce n'est pas lui-même qui a dit ça de lui-même. Tout à fait. C'est son ami Jean Godefroy Bidima, le philosophe camerounais, qui a écrit un texte sur lui, sur Bachir Ndiaye, et il a essayé de trouver une idée pour ramasser l'œuvre de Bachir Ndiaye. Et donc, c'est pas moi qui le raconte, hein, c'est lui-même qui l'a rapporté lors d'un colloque
au cours duquel il lui a été rendu hommage. Donc, c'est un regard qu'un autre collègue a posé sur lui, et il s'est approprié ce regard-là, et effectivement, ça l'a aidé lui-même à approfondir son propre travail. Mais aujourd'hui, il est très attaché à cette notion de traduction, parce qu'il a compris que cela sert effectivement à exprimer profondément sa propre vision du rapport entre les cultures. Alors, pour terminer sur la question de l'universalité soulevée par Bayala, je dirais que à la place de l'universel de surplomb, il y a l'idée que dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les langues humaines, il y a quelque chose de commun qu'on peut partager. Voilà. Mais on ne peut pas s'asseoir et délimiter ici et maintenant ce commun-là. Donc, c'est en traduisant, c'est en pensant, c'est en discutant, c'est en se rencontrant que chaque société et à travers les sociétés, tout individu fait l'expérience de ce qu'il a en partage avec d'autres individus. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de chercher à dire nous-mêmes avec nos mots, dans nos langues, ce dédoublement justement, ce dédoublement de la culture-là, entre ce que je pense être mien, spécifiquement mien, et ce que je crois pouvoir partager avec d'autres, ce qui pour moi est censé appartenir à tous les hommes. Or, si vous interrogez toutes nos cultures, vous verrez que ce dédoublement-là existe. Le Monwa, c'est ce qui est spécifique au Monwa et ce qui se retrouve ailleurs. D'ailleurs, il y a une expression qu'on dit souvent au Yatenga, « Sembe mo, sembe sinimisi ». Littéralement, ça veut dire ce qu'on trouve chez les Peuls, on le trouve également chez les Monsi. Voilà. C'est une expression qui est courante. Je sais qu'au Yatenga, ça s'emploie couramment. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes ces sociétés-là, les gens ont bien conscience qu'il y a quelque chose que les hommes, en tant qu'hommes, ont en partage. Voilà. On ne peut pas l'exprimer une seule fois. On ne peut pas s'asseoir pour le comptabiliser. Mais c'est ce quelque chose-là qui guide nos échanges. Et en dehors de ça maintenant, il y a quelque chose d'autre que chacun revendique pour lui. Et donc, pour nous, c'est important de chercher à expliciter ce dédoublement-là dans nos propres langues. Je voudrais répondre à une question qui avait été posée sur Afrique, pour Jean-Louis Ancel et Afrique pour Bachir Ndiaye. Pour Jean-Louis Ancel, Afrique au pluriel, parce que son truc commence par de l'inexistence de l'Afrique. Donc, de ce point de vue, me semble-t-il qu'il est vraiment extrêmement important de considérer que tout ce que nous venons de dire, ce sont des constructions dynamiques. L'universel, la langue, tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont des constructions dynamiques. Je le dis parce que précisément dans la situation où nous sommes dans un pays comme le nôtre, avec les difficultés ethniques que nous avons, nous devons considérer qu'il n'y a rien de figé. S'il y a des conflictualités qui ne nous plaisent pas aujourd'hui, on a à les gommer, on a à les retravailler, on a à les remettre en dynamique. C'est quelque chose qui paraît très intéressant. Il y a quelque chose dans le livre dont je voulais parler également, qui est ce truc que je ne savais pas de Bachir Ndiaye, qui est que il explique comment, quand il est rentré à Dakar, à l'université, comme jeune prof, il a commencé à enseigner la logique, la philosophie de la logique, à travers un grand mathématicien comme Boulle. Et puis, il est apparu très vite à lui et à quelques-uns de ses collègues que dans un pays à 90% musulmans, il fallait parler de la question de la philosophie en islam. Tout à fait. Donc, il y a eu un projet quasi politique de construire une sorte de philosophie dans l'islam qui me paraît être interpellé, nous tous, chercheurs ici, à savoir, je me sentis que c'est la responsabilité sociétale de l'universitaire là qui a été assumée. Yeah. C'est-à-dire un universitaire qui se pose la question de quelle est sa fonction dans une société qui a des questions. Et sa fonction, me semble-t-il, et il le dit ainsi, dans une société qui a des questions, c'est de prendre en charge ces questions-là.
Donc je reviens encore là-dessus pour dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a des questions fondamentales qui sont posées comme le drame de Yirgu pose. Et il est absolument important que les universitaires s'en saisissent pour y répondre. Et que la question de l'enseignement universitaire soit ouverte sur les problématiques concrètes qui traversent la société africaine. Peut-être une dernière chose, c'est l'anecdote que je voulais raconter sur les langues. J'avais pas encore fini mon mémoire de maîtrise quand en 2003 j'étais allé à mon premier colloque scientifique, c'était au Codestria. Et du reste, tous ces penseurs, dit-il, penseurs de la décolonialité ou les penseurs de la postcolonialité en particulier, Jean Lou Ancel les loge, les situe au Codestria, ce réseau de chercheurs africains qui est basé à Dakar. Et donc je suis au Codestria en 2003, avril 2003, et puis il y a ce colloque qui se passe. Et puis Ngugi wa Thiong'o est là, il est cité à plusieurs reprises. C'est un grand intellectuel kenyan qui a écrit de très belles choses et qui enseigne aujourd'hui à New York, je ne sais plus s'il est encore à New York, mais qui à un moment donné a décidé de ne plus écrire dans une autre langue que la sienne, le Kikuyu. Et qui donc en 2003 arrive et il venait de, je ne sais pas s'il venait de prendre la décision, en tout cas c'est là que moi je le découvre. La décision est plus ancienne. Oui, plus ancienne, il commence à faire son propos et puis à un moment donné il s'arrête et il vient dans le Kikuyu. Donc il ne parle plus anglais, il ne parle plus français. Et puis, le traducteur lui dit dans les oreilles, on attend, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas ce qu'il dit. Ça dure deux minutes, des minutes, des minutes. Et puis, à un moment donné, il dit, ah, je pense qu'il parle sa langue maternelle. Et puis, il y a un jeune Kenyan, qui est de la même nation que lui, donc il comprend très bien cette langue, qui s'approche, il lui veut faire son propos, et qui dit qu'il est très content d'être à côté de Ngugi, qui est un grand homme, auprès de tous ces autres messieurs. Et puis il dit, moi je vais faire comme vous, je vais vraiment m'y mettre, je vais faire comme vous, je vais écrire dans la langue, notre langue locale, tout. Mais je vais faire rigoureusement comme vous, je vais finir d'abord d'avoir un PhD, je vais finir d'abord d'enseigner aux États-Unis, et puis au soir de ma vie, je ferai comme vous, je vais enseigner. C'est ce que je voulais dire. Merci. Peut-être avant de... Je ne sais pas si on a l'occasion de prendre une ou deux questions. Vous vouliez intervenir tout à l'heure. C'est votre débat là, qui était très, très passionnant et très intéressant, a suscité quand même des questions à un moment donné. Quand vous dites qu'un des deux auteurs, Marcel, donc, se serait emporté dans une posture, je me suis posé la question si le point de vue de l'autre auteur, de Diagne, donc, n'était pas aussi un peu une posture. Et je m'explique. Parce que même si ce texte dont on parle, donc la charte mandingue ou mandé, ou comment vous l'appelez, excuse-moi pour mon ignorance, parce qu'il faut aussi comprendre qu'en tant que public, il est très difficile de suivre totalement et d'oser parler encore plus sur un livre qu'on n'a pas pu lire, parce qu'il n'est pas en vente ici et on a juste eu droit à des copies, des copillages, même, on pourrait dire, de Lucien, n'est-ce pas? Des extraits. que j'ai lu, et j'ai même à partir de là, j'ai fait un peu de navigation sur Wikipédia, qui est un outil très utile et qui est en fait la preuve vivante de tout ce qu'on dit ici sur la langue, parce que moi j'utilise Wikipédia comme un instrument que je traverse multilangue. J'en parle quelques-unes, mais Dieu merci. Et donc, je lis un texte dans ma langue maternelle, après je lis le même lemme. Et c'est très facile en Wikipédia, puisqu'il y a à gauche, vous cliquez sur la langue et vous trouvez l'article correspondant. C'est très intéressant, très 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 intéressant. Bon bref, je voulais simplement réagir. Donc, un texte qui a existé en 1235, vous avez dit? 1235? Oui, certes, bien sûr, des colloques en 1912 qui le reprennent ou qui l'interprètent ou qui l'étudient, je n'en sais rien. Justement, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts de Dieu, n'est-ce pas, en 8 siècles, y compris entre ce texte original qui aura certainement, qui est né quelque part, et dans la tête des talibés qui le répètent aujourd'hui. C'est-à-dire, ils se sont passés des choses. Et un texte n'est jamais sacro-saint. Et donc, ce texte a peut-être fait des enfants et des... Et il se retrouve dans la trame de l'histoire qui, en Afrique, quand même, et là, c'est peut-être un problème de méthode, je suis pas historien, je n'y connais pas grand-chose, mais enfin, est-ce que je ne peux pas dire que, tout comme
Le point de vue d'Amsel qui est assez, semble-t-il, effectivement un peu complotiste, est-ce que défendre le, au contraire que non, non, c'est l'oralité, donc c'est pas besoin de défendre et vous n'avez qu'à accepter. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode? Est-ce que l'oralité ne pose pas un grave problème de méthode, méthode historique? Mais je suis très confiant qu'on va trouver beaucoup de solutions, sinon toutes les solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis convaincu qu'une des sciences les moins bien étudiées en Afrique, c'est l'histoire, justement, même bien connue. On ne commence que maintenant à gratter à la surface. On a un désaccord sur, qui n'en est pas, au fond. C'est pas ce qu'il dit, M. Lewan Bachir, il dit pas c'est l'oralité acceptée. C'est pas son point de vue. Il fait un truc beaucoup plus élégant que ce que j'ai pu dire ici. Il explique très clairement que dans l'argumentaire qui nous est proposé, il n'y a pas d'argument. Et c'est pas juste, il ne le dit pas en vindicte. Il dit simplement ceci, si vous voulez dire qu'un colloque... Mais ça laisse tout le problème. Non, si vous voulez dire qu'un colloque n'a pas été un acte scientifique, la démarche scientifique voudrait que le rendu de ce colloque, vous l'ayez lu et que vous l'ayez discuté. Il ne le fait pas, premièrement. Deuxièmement, ce que je répète encore une fois, c'est pas qu'il dit qu'il y a un colloque qui s'est passé en 1912. Il parle d'un auteur de 1912. Très bien. Qui n'est pas celui qui a ramené... En gros, il dit 99% est égal à 100%. 95% est égal à 99%. 90% est égal à 95%. 10% est égal à 15%. En gros, 10% est égal à 100%. C'est ça le raisonnement. C'est une déviation qui nous amène dans le décor. Et ce que j'ai dit ne traduit pas... C'est pas ça qu'il y a vraiment à dire. Souleymane Bachir vient faire un travail de logicien. Il dit, dans la logique, c'est un non-sens. Nous n'avons pas de logique à déconstruire. Nous avons une posture complotiste. C'est très important. Deuxième chose que je disais sur Kizerbo, c'est vraiment pas un truc, une question d'adepte. Hein. Dans ce livre, les difficultés et méthodes. Le livre commence par difficultés et méthodes. La tradition orale. Les historiens africains savent que la plus grande contribution que Kizerbo ait fait à la science historique, c'est précisément ce travail sur l'oralité comme matériau. Et enfin, une dernière chose, c'est un désaccord. Je trouve que la science la plus avancée en Afrique, c'est la science historique, dans l'histoire des sciences. En d'autres termes, c'est les historiens africains des années 50, la génération de Charles Anta Diop, de Kizerbo, avec quelques gens avant eux, mais avec quelques successeurs après, beaucoup moins talentueux aujourd'hui, me semble-t-il. Mais c'est d'abord des historiens africains, en tout cas des historiens de l'Afrique, on va dire, pour ne pas les enfermer à une question raciale ou continentale, qui ont entrepris de décoloniser l'histoire et de produire une science historique africaine, d'abord en se posant la question de la méthode historique. Ça me paraît être fondamental. Et ce travail n'est pas fait par les historiens et par les économistes. Ce travail est loin d'être fait par les sociologues. Et c'est ce travail fait par les philosophes que Bachir Ndiaye a fait au Sénégal, comme je l'ai indiqué, à partir de la décennie 80. Et c'est ce travail que Mamadé Savadogo fait quand il produit la philosophie ici, y compris en convoquant la langue. C'est précisément, j'allais dire, cette socialisation des sciences sociales dans nos pays. Le point le plus achevé me paraît être les historiens. Et c'est pour ça que moi, je suis fasciné par la mission que les historiens de la génération de Kizerbo a faite. Si les autres sciences sociales avaient fait des choses équivalentes, nous aurions une contribution plus importante, pas à l'histoire des sciences chez nous, mais à l'histoire des sciences dans le monde. Mais je termine en disant vraiment, il n'y a rien qui peut remplacer la lecture du livre. Vraiment, il n'y a rien qui peut remplacer la lecture du livre. Ces éléments sont vraiment des choses à lire, et vous allez voir que, me semble-t-il, des choses paraissent beaucoup plus claires que équivoques ou discutées, comme on l'a fait ici pour les besoins de la soirée. L'islam suffit, même si c'est venu par les commerçants. Je ne parle pas des Yartsé. C'est les Yartsé, ce n'est pas les Yartsé. Oui, je sais. Et essaie de traduire. Et quand je dis traduire, c'est la même chose que convertir. Il y a une violence qui consiste à dépasser le moi. Parce que c'est le moi la plus grande richesse de la plupart des hommes.
il se fait que dans l'islam, le djihad dont on parle, et à ce propos, Mohamed aurait dit, du retour d'une campagne, à ses disciples, nous venons de remporter une grande victoire. Mais il reste une grande victoire encore à remporter, c'est sur nous-mêmes. Et c'est ça le djihad. Dans cette lutte contre soi-même, le soufi essaie de l'atteindre. Et à ce niveau, nous avons quand même une universalité de certaines religions. Que ce soit le bouddhisme, qui trouve que le moi, c'est une illusion. Que ce soit les philosophes comme Pascal, qui dit que le moi est haïssable. Que ce soit Jésus lui-même, qui dit que le royaume des cieux souffre violence et il n'y a que le violent qui l'emporte. C'est-à-dire, nous sommes tous des endettés. Nous vivons à crédit. Et quand on dit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, dire qu'on aime Dieu, c'est rembourser ses dettes. Nous qui sommes créés gratuitement, si nous voulons aimer Dieu, c'est par la violence sur nous-mêmes que nous allons nous décentrer pour rendre à Dieu ce qu'il nous a donné et qui est nous-mêmes. C'est ça que je voulais voir si ce rapprochement est possible à travers l'islam soufi. Sur l'islam soufi, Jean-Louis Ancel revient sur vie et enseignement de Thierno Bokar, qui est le maître de Cheikh Bermodo Mpatiba, qui rend un hommage dans une biographie qui est très critiquée sous la plume de Jean-Louis Ancel, qui estime que c'est une biographie enjolivée avec la collaboration d'autres qui l'a enjolivée et tout. Là aussi, je suis très dur avec Jean-Louis Ancel, parce que réalisez vraiment ça, vous allez vous rendre compte que c'est des suppositions et c'est des approximations. Parce que quand on dit ces choses-là, c'est grave de déporter. Ça ne veut pas dire que le texte, il n'y a pas de critique possible là-dessus. Mais quand tu critiques, ça veut dire en disant qu'il se pourrait que c'est possible que c'est plutôt l'autre qui l'a influencé pour écrire comme ça, et ainsi de suite. Et que quand on parle d'histoire, il faut apporter des éléments factuels, des éléments de preuve. Et que ça, ce n'est pas dit, ça pose un problème. Deuxièmement, ce que Souman Bachir Ndiaye dit sur l'islam soufi est très important. C'est que cette tradition de pensée africaine, et quand il en donne la genèse, il dit que la première fois que le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, a demandé aux cieux de s'exiler, donc le premier contact entre l'islam de la Mecque avec d'autres parties du monde, c'est l'Afrique. Le prophète leur a demandé d'aller en Abyssinie, parce que précisément, un roi chrétien là-bas serait plus tolérant vis-à-vis d'une filiation abrahamique et aussi vis-à-vis de l'autre. Et il explique très clairement que au cœur de la tradition soufie, il y a cette déclaration des penseurs de la tradition soufie: Dieu aime les impies, Dieu aime les infidèles. Dieu aime aussi les infidèles. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et il dit très clairement que dans la tradition soufie, ce n'est pas un pacifisme béat qui dit on ne fait jamais de la violence. La violence est un dernier recours dans les guerres où on y est contraint. Yeah. Premièrement. Et deuxièmement, il explique très clairement que cette tolérance, il dit quelque chose qui est très joli. Je l'ai noté quelque part. Il dit en gros, l'islam est comme l'eau de la rivière. C'est toujours la même eau, mais elle épouse la coloration des paysages qu'elle traverse. C'est quelque chose d'extraordinairement fort comme perspective d'ouverture sur l'autre. Et de ce point de vue, il ne faut pas qu'on laisse disqualifier des référents historiques aussi facilement. D'autant que ces référents historiques sont aujourd'hui, me semble-t-il, des recours précieux dans un moment où l'humanité est en souffrance sur notre continent en raison des fondamentalismes. Mais pas seulement sur notre continent, mais au clair, dans notre continent, en raison des fondamentalismes. Comment se fait-il que cette belle terre du Mandé qui a produit tant de tolérance, tant d'acceptation de l'autre, tant d'ouverture sur l'autre, soit cette terre qu'on casse aujourd'hui, qu'on brise aujourd'hui avec des fondamentalismes qui sont venus d'ailleurs. C'est une question très, très
contemporaine et très actuelle que cette question soufie. Qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on nous dépousse tous le soufisme, mais qui veut dire précisément qu'on soit athée ou... Dieu, si Jean-Louis Ancel dit, lui il est athée, donc ça ne m'intéresse absolument pas cette question du soufisme parce que lui il est athée. Je trouve que c'est assez vite à la besogne parce que ce n'est pas une question de dire est-ce qu'on croit en Dieu ou pas, est-ce qu'on croit que l'islam est la religion qui va l'amène au ciel ou pas. C'est une question de dire est-ce qu'il y a des possibilités de spiritualité qui produisent de l'humanité, qui produisent de l'humanisme. Et de ce point de vue, le soufisme en a fait la preuve. Et les pogroms, les croisades, le bon terme, c'est pas croisade, vous l'aviez dit tout à l'heure, les djihad. Djihad, comme celle d'Ousmane Danfodjo et celle de Askia Mohamed, ne disqualifie pas l'histoire du soufisme dans cette partie du monde. Et je vous renvoie vraiment encore à Vie et enseignement de Tierno Boukhar et à l'ensemble des œuvres d'Amadou Mpateba, où il explique qui a été son maître. Bon, j'ai eu le bonheur que mon père a rencontré Amadou Mpateba. Et pas, bien sûr, mais surtout Tierno Boukhar. Mon père a rencontré Tierno Boukhar à Bandiagara, donc il m'en parle. Et quand je lis la biographie que Mpateba donne de son maître, je reconnais des choses que mon père m'a dites sur Tierno Boukhar, un homme immensément doux, comme il l'a indiqué mon père, un homme très ouvert sur l'autre, ainsi de suite, et qui vivait de sa propre... de son propre travail, qui n'avait pas de talibés qui l'instrumentalisaient. Il y a des choses tout à fait modernes dans cela. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un fait historique incontestable. Mais ça veut dire simplement qu'après cette biographie, on ne peut pas la laisser piétiner par de l'approximation simple. Et qu'il y a un trésor possible, il y a possiblement un trésor d'humanité là à revisiter. Comment est-ce qu'un anthropologue de cette carrure là puisse peut-être être aussi biaisé si... Je me permets de dire ça. Parce que bon, quand il a cette posture de complotiste, on se demande, mais un anthropologue, c'est d'abord quelqu'un qui est très rigoureux sur le plan scientifique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, quand j'écoutais vos interventions par rapport au livre où des Noirs se plaignent que des Blancs puissent exploiter, exprimer des choses qu'ont vécu des Noirs, ça me rappelle aussi le fait que nous-mêmes ici, nous sommes souvent biaisés. Quand on pense qu'il faut être dans le gouvernement pour s'occuper de certaines questions, il faut être d'un parti politique pour s'occuper de certaines questions. Ou bien, bon, quand j'étais par exemple aux États-Unis, que je m'intéressais aux questions du Burkina, il y a des gens qui te répondent, mais c'est facile de rester à l'extérieur et de parler du Burkina. Il faut y être pour en parler. Et du coup, je pensais aussi à ces deux auteurs qui ne vivent pas actuellement en Afrique et qui parlent de l'Afrique. Ça veut juste dire, bon, exprimer un peu des choses qui me traversaient la tête quand je vous écoutais. Et je suis très content de participer à ces rencontres. Et voilà, longue vie à ces événements-là. Il ne faut pas croire que tout le travail de Jean-Louis Ancel dans le livre est taxé de posture complotiste. C'est précisément ce qu'il dit de la charte du Mandé de Kourou Kanfoua qui est taxé comme tel. Et deuxièmement, pour finir, il faut rendre hommage à ce qu'il a fait dans le livre, qui est en gros l'empêcheur de tourner à rond, qui bouscule Bachir Ndiaye dans ses derniers retranchements. Et de ce point de vue, ceux qui ne connaissent pas Bachir Ndiaye, il me semble que c'est la meilleure manière de le lire directement. Et peut-être que si vous le lisez comme ça, vous n'aurez peut-être plus autant d'envie de lire les autres qu'il a écrit avant, mais me semble-t-il que c'est une très belle introduction à Bachir Ndiaye, titillée sur des questions qui lui tiennent à cœur et avec des fois une rigueur extrêmement difficile à contrer, mais aussi avec une perspective sociale importante, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Jean-Louis Ancel est préoccupé par une question, étant un homme de gauche, qui est celle que les particularités qu'on voudrait ériger, comme l'ethnie, comme le local, comme l'endogène, nous l'emporte sur les questions socio-économiques. En d'autres termes, qu'on ne racialise l'exploitation et qu'on ne regarde plus les rapports de domination, mais qu'on finisse par regarder simplement la question des races et des ethnies. Donc, de ce point de vue, c'est une autre dimension qu'il fallait camper pour ne pas penser que c'est un livre dans lequel on a un complotiste qui affronte un humaniste. C'est ce que je voulais dire pour équilibrer. Oui. Alors, je crois que pour bien... effectivement restituer sa posture. Je vais lire le passage où il parle de son histoire personnelle, là, comment il en est arrivé à s'intéresser à l'Afrique.
C'est la page 303, le deuxième alinéa. Je voudrais revenir sur mon expérience personnelle. Si je me suis intéressé à l'Afrique, c'est parce que, en tant qu'intellectuel juif petit bourgeois français, et non en tant que juif en général, j'ai éprouvé une certaine communauté de souffrance étant jeune à l'égard de ce que l'on appelait les Noirs d'Américains. On ne parlait pas à l'époque d'Africains américains, et notamment les Black Muslims et Malcolm X. Par contre-coup, cela m'a amené à m'intéresser à la négritude et à l'Afrique. Le malaise que je ressentais, la situation de porte-à-faux que j'éprouvais dans la société française des années 1960 m'a conduit à faire cette expérience de communauté de souffrance avec les Noirs américains et notamment à travers le jazz. Vous voyez. Et c'est à la fin qu'il le dit. Je connais Bachir Ndiaye, je l'ai lu. Donc pour moi, le livre sur ce plan-là ne m'apporte pas de nouvelles choses. Par contre, Jean-Louis Amsel, je le connais de nom, j'ai dû lire juste quelques extraits. Et après avoir lu le livre, j'ai envie de découvrir ses ouvrages. Ce que j'ai vu de Bachir dans le livre, qu'il ne montre pas souvent quand on le rencontre, c'est sa détermination politique. Là, il est vrai. Bachir est plus que jamais politique dans ce livre. Hein. Il prend position et on voit toute la motivation politique qui se cache derrière ses centres d'intérêt. Par exemple, la défense de l'islam soufi, vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne la replacez pas dans le contexte de développement des intégrismes. Et c'est la montée de ces intégrismes-là qui l'a poussé à créer ce cours de philosophie en islam. Et il le dit très clairement, il s'agit de promouvoir une autre image de l'islam que celle que véhicule les tendances plus radicales que sont le salafisme et le wahhabisme. Donc, sa position est claire. Dans ce livre aussi, vous allez découvrir son attachement au panafricanisme et au socialisme. Voilà. Et plus que jamais, il est convaincu de l'intérêt du combat panafricaniste. Maintenant, il trouve qu'il faut le réactualiser. Régionaliser. Voilà. Il n'est pas partisan d'une imposition de l'unité à partir d'un centre fort, mais il pense que à partir d'ensembles régionaux, on peut évoluer vers cette unité. Le socialisme aussi, il parle du socialisme africain et il cite essentiellement Senghor, Nyerere et Nkrumah. Et dans sa discussion de ces auteurs-là, on voit ce que lui-même il recherche dans le socialisme. Et ce n'est pas pour rien que, à la fin du livre, Jean-Louis Amsel lui fait la confession de comment il en est venu à s'intéresser à l'Afrique, il conclut que, effectivement, c'est important de rappeler cela pour promouvoir la solidarité des opprimés contre les formes d'oppression. Donc on voit un Bachir plus que jamais engagé et on comprend que de plus en plus il se sent obligé de livrer bataille. Et ce n'est pas pour rien qu'il a accepté le projet de ce livre-là, malgré son tempérament plutôt réservé et plutôt accommodant. Il a accepté le défi et il est allé au combat. Évidemment, il ne s'agit pas d'abattre l'adversaire, mais de révéler ses positions. Et on s'aperçoit qu'à la fin, parfois, on est bien plus proche qu'on pourrait le croire. Merci. Merci aux deux intervenants de la soirée.
Amade morila kela.